Vous restez avec nous. Maintenant, on va accueillir quelqu'un. D'ailleurs, c'est Dave et puis ton impresario, Michel Haber, qui m'ont parlé de ce garçon parce que tous ceux qui t'ont vu dans le jury de La France, un incroyable talent, il n'y a pas si longtemps, ont découvert un jour Thomas Boissy. Pourquoi tu as eu le coup de foudre pour Thomas Boissy ce soir-là? Parce qu'il faisait de l'impro comme personne? Oui, parce que je crois que le mot essentiel dans notre métier, il y en a deux, c'est le mot donner et le mot surprendre. Et je peux te dire qu'il donne et je peux te dire qu'il surprend. Parce qu'il ne sait même pas lui-même ce qu'il va chanter le soir, parce que c'est de l'improvisation pure. Quoi. Ça, alors, c'est extrêmement improvisation fort. Musicale, au piano, il y a son complice Olivier Decrouille. À partir d'un mot, d'une phrase, d'un nom, de chanteur qu'on va jeter comme ça, il va lui chanter une chanson qui va improviser après avoir consulté son pianiste. Quoi, 30 secondes? Même pas, 40 10 secondes. 10 secondes. Il est à la Nouvelle-Ève jusqu'à la fin du mois. Il sera, on le sait déjà, à l'Olympia. C'est pas rien. Du 7 au 11 septembre. Voici Thomas Boissy. Bonjour. Heureux de vous revoir, Thomas. Alors, comment on fait, Thomas? Je me disais que comme on va avoir la chance ensemble de se retrouver sur la scène mythique de l'Olympia, on pouvait peut-être faire un clin d'œil aux grands chanteurs, aux grandes chanteuses qui ont fait vibrer l'Olympia. À qui est-ce que vous pensez quand on... Ah ben moi, je pense à Piaf. À Piaf, qui d'autre? Becco. Becco. Brel. Piaf, Becco, Brel. Que des jeunes. Piaf, Becco, Brel. Mais il y a aussi Johnny qui a fait l'Olympia. Piaf, Becco, Brel, Johnny, allez, 4. Bon, d'accord. Si on pouvait leur poser une question, par exemple, à Piaf, Becco et Brel... Qu'est-ce qu'on pourrait Quelle leur demander serait cette question? Est-ce que vous chantez ensemble de temps en temps? Est-ce là-haut que vous chantez ensemble là-haut de temps en temps? Est-ce que vous chantez au bar du paradis? Je sais pas. Pourquoi pas? Parce que Piaf, Becco et Brel chantent ensemble là-haut au paradis. Johnny n'est pas là-haut encore. Johnny pas, non. On va se débrouiller. Johnny va poser la question. Pas pressé d'arriver. Il leur dit pas pressé d'arriver. Voilà. Je suis pas pressé de vous voir. Il va leur poser la question. À Piaf, Becco, Brel. Johnny va poser la question. Est-ce que vous chantez dans le paradis? Et maintenant, je voudrais que le public choisisse deux ou trois mots. Voilà, on va demander un ou deux mots au public. Des mots qu'on va caser à l'intérieur de l'improvisation. N'importe quel mot. Tendresse. Allez, tendresse. De l'autre côté, là-bas. Quoi d'autre? Ça peut, si ça n'a rien à voir, c'est encore mieux. Le meilleur de sa génération. Alors, monsieur, il nous donne carrément une phrase. Tendresse et meilleur de sa génération. Tendresse, meilleur de sa génération et bataille. Et bataille. Bataille, tendresse, meilleur de sa génération. Ça nous fait quelques informations. Becco, Piaf, Johnny, est-ce que vous chantez dans ton paradis? Ben dis donc, t'as du boulot. Ça fait pas mal d'infos, je sais pas comment ça va travailler là-haut. En tout cas, on va prendre 10 petites secondes. Vas-y, tu vas consulter Peut-être Olivier Peut-être que le public peut nous donner un petit décompte qui va faire 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gonflé, hein? Ouais. Ah ouais. Une question qu'on se pose ici, chante-t-on encore au paradis? Quand on vous retrouvera là-haut, est-ce que ces jolis refrains, tout ce qui était si beau, toutes ces chansons qu'on chantait en bas, dites, est-ce qu'on les retrouvera? Piaf, Brel, Becco, allez, dites-moi, quand on arrivera là-bas, qu'on aura fait le chemin, est-ce qu'on chantera aussi bien? Becco entend la question de Johnny, lui dit évidemment un jour tu monteras au paradis, le plus tard possible, mais un jour tu viendras nous rejoindre et je peux te dire, quand tu seras là, on te dira « Et maintenant que t'es parmi nous, tu nous as rejoints là-haut au lointain, laisse au loin toutes tes médailles. » C'est pour madame. « Ici plus question de bataille, ici on se réunit, on se tient la main, on chante ensemble tout un tas de refrains, bien sûr qu'on a toutes ces chansons,
qui dans la tête tourne en Edith fait non, on n'oublie pas les chansons que l'on chantait en bas quand on est tout là-haut. On m'entend quelquefois chanter avec Beko. Qui reviennent, qui s'entêtent. Et je peux vous dire que ce garçon a toujours été le meilleur de sa génération. Qu'est-ce qu'il nous reste comme mot ? Tendresse, c'est ça ? Tendresse. Il reste tendresse encore. Tendresse avec Beko. Avec Brel, pardon. Parce que là-haut, évidemment, bien sûr qu'il y a de l'amour. Quand on arrive pour faire un tour, on se dit que ça va durer. Oui, c'est pour l'éternité. Il faut pas qu'on s'agace, il faut pas qu'on se blesse. On n'a qu'une chose à penser, s'offrir de la tendresse. Alors on le fait en chanson, on le fait tous ensemble, ici au paradis, quand la vie est finie et qu'on s'est retrouvé. Se quitter, on est tous là serrés, on en profite pour chanter, retrouver ces instants magiques, il nous manque que le public, si bien qu'on redescendrait bien en bas, chanter juste un soir, allô. Thomas. Et alors, ce qui est incroyable avec ce que vous faites, Thomas, c'est qu'on a le trac. On a le trac. C'est vrai, le public, là aussi, oui, parce que moi, j'avais en tête Tendresse, le meilleur de sa génération, etc. Brel, Beko, je dis, comment il va retomber sur ses pattes ? Il s'en sortira pas, il va mourir. Je comprends que dans l'émission d'M6, surtout avec le monsieur Gilbert Rozon qui a donné des thèmes totalement incompréhensibles. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ça a bien commencé, ou ça a commencé par Dave et ton père ? Oui. Dave est ton père, lui. Voilà, c'était le tout début. Il a dit, tu découvres que Dave est ton père ce soir et sur une chanson de Dave. Donc ça a donné ravi de retrouver maman. Et papa Évidemment. Merci beaucoup. Ça s'impose. Donc tu seras à l'Olympia début septembre. Tu es encore à Nouvelle-Ève. Pour 5 dates, je voudrais remercier encore une fois Michel Haber parce que c'était un fou de faire des paris pareils. Oui, bien sûr. Et que voilà, on a le on se partage le même producteur. Pour s'occuper de Dave, il faut déjà être un peu fou. Oui, déjà. Donc, une folie tous les jours. Finalement, c'est d'une continuité. Ils se ressemblent en plus, je trouve. Ils pourraient être son frère. Ils ont dû détendre un peu. Comme un chien et son maître. Mais j'ai pas dit qu'il est chien.